Salut tout le monde, c'est Tyranno et on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Resident Evil Révélation. Donc là, oups. Donc là, on incarne Chris et Jessica. Je sais pas trop dans quelle partie du monde on se trouve là. Mais on s'en fout en même temps. Donc là, je sais pas trop ce qu'on doit chercher. Il y a peut-être des trucs à trouver. Pas cracher dessus. Des munitions. Hop. Du pompe. J'allais dire, j'ai pas de pompe, mais si j'ai un pompe. Fonctionnera pas sans clé. Ouais. Le plan de vol. Je sais pas trop à quoi il va servir. Mais... On ramasse tout ce qu'on peut trouver, ça peut toujours servir. Un joli joujou dans ses mains. J'aimerais bien avoir le même. Si je me souviens bien, là on vient d'entendre des chiens, il y aura masse de chiens dans la grotte. Oh, il résiste. On s'en va. Coriace les gros toutous là. Heureusement que j'ai un pompe. L'heure. Ah oui, il est l'heure, je me souviens. Très très utile. Ça va, je me suis pas fait toucher. On va ramasser tout ce qui peut être ramassé. Rendu détecté. Hop. Est-ce qu'il y a des trucs là-bas? Ah bah non, je l'ai plus. Il devait être là-bas, je pense. Ouais. Bon, on va continuer. Trop loin. Il y en a 30, il me semble. Bon, je vais pas, je sais plus où ils sont. De toute façon, il me semble pas que je les avais tous trouvés. Du leurre, je ramasse avec plaisir. Les herbes aussi. Dis donc, t'es bien pressé, toi. Ah, je me souviens ici, j'étais la merde. Je pourrais pas bouger. Je
peux même pas prendre mon vent. Ouais, je peux pas viser tous les côtés en même temps. C'est pas assez rapide. Plus vite que ça. Du monde le bordel. Sérieux, ils sont combien là? Je pensais pas que j'allais m'en sortir aussi bien. Mais ça va. Des barrières, des endroits improbables. Passer. Fin de la première partie de l'épisode 1, de l'épisode 2, pardon. Donc on va suivre. On va continuer, on va pas s'embêter dans la foulée. On se retrouve avec Jill. Ici. C'est le petit clin d'œil au premier Resident Evil où vous pouvez vider une baignoire et même il me semblait qu'il y avait une clé dans le fond. Là, il n'y a pas de clé. Chiotte bien dégueulasse. Personnellement, je ne poserai pas mes fesses. Hein. On continue. Ouais, mais j'ai pas d'armes. Esquive. Ouais, je sens. Ah ouais, je me rappelle, là, vous devez utiliser le stylet sur la 3DS pour déverrouiller là, le panneau, là. Alors... Bon, ça se fait avec la souris, apparemment. Non, non, je sais pas. On va se faire avec ça, avec la souris, ça sera mieux. Donc, au début, ce sera assez facile. On va le laisser sur sa télé, lui. Regarder le feu de l'amour. Ah, d'accord. Petite esquive. Donc, c'est bien qu'il y a la mini-map en haut, on peut se repérer assez facilement. Ben, c'était pas par là. Ouais, des munitions, on peut pas cracher dessus. Hop. Petit fusil, on peut pas l'utiliser. Dommage.
Je me rappelle aussi que dans le premier du nom, il y avait un fusil dans le mur et quand on l'enlevait, ça enclenchait un piège. Il fallait mettre un fusil cassé à la place. Des trucs qui s'oublient pas comme ça. Donc on continue. Je sais pas ce qu'il mange, mais il a l'air de se régaler. Bon appétit. Oula! Petit coup de stress inutile. La bosse est fermée. Les munitions. Moi je suis full. Ok, il va nous falloir nos armes. Je crois que je les ai vues en venant. Récupérer. Ça, on reste ensemble. Ah, je les veux bien mes armes. J'ai trouvé ça. Tu crois que ça peut servir? J'ai pas pu esquiver là. Il faut bien que je fasse aussi. Ouh, ça doit faire mal. On va récupérer nos armes. Comment il va? Augmenter les dégâts, ça peut toujours servir. On a récupéré nos armes. Et maintenant? On devrait pouvoir y arriver depuis le pont. Les objets. C'est des balles, je peux pas les ramasser. Je suis full. Décidément. Bon. Ils sont combien là? Oh, ils arrivent. Je les avais pas tués peut-être avec mon leurre. Coucou, je suis là. Ils m'ont pas résisté. Il donne plus de pourcentage en étant mort quand même. Là, il y a du scan. Personnalisé. Sors ces trucs. Sauf qu'il y avait des munitions ici, j'ai pas oublié. Hop. Donc là je détecte quelque chose. Une balle de flingue, ça valait le coup. Donc vraiment le strict minimum pour survivre. Pas beaucoup de balles sur chargeur et tout.
Je peux pas ramasser. Des balles. Ah, j'avais déjà été ici. Ah, il me faut une carte. Oh. Ils sont violents. Meurs, misérable. Hop. Des balles. Toujours appréciable de tomber sur ça. Hop. Que j'ai une autre arme parce que le pistolet c'est gentil 5 minutes. 10 frises de chargement. Quelqu'un est déjà passé. Mais qui ? Du pompe, même si j'ai pas de pompe, je le prends quand même. Donc là, je suis arrivé à l'objectif. Système de transmission est HS, comme par hasard. Je sais plus ce que je dois faire. Ah bah c'est déjà la fin de l'épisode 2, sans prévenir comme ça. Bon bah sur ce, on va se laisser là, puis j'espère que vous avez apprécié, on vous donne rendez-vous très très prochainement pour la suite. On va regarder les scores quand même. Rang S, pas trop mal. Impeccable. Bon, on se dit à bientôt, ciao les gens!